Un match de foot qui se termine en bain de sang en Égypte. Au moins 73 personnes ont été tuées et un millier blessées lors d'affrontements sur cette pelouse entre supporters des équipes de Al-Masri et Al-Ahli. Cette dernière, l'un des meilleurs clubs d'Égypte, venait de subir sa première défaite de la saison. Les supporters d'Al-Masri ont lancé des pierres, des bouteilles et des fusées éclairantes contre les perdants d'Al-Ahli, déclenchant les violences dans la ville de Port Saïd, dans le nord-est du pays. La police a, semble-t-il, été complètement débordée. La fédération de football a annulé toutes les prochaines rencontres du championnat jusqu'à nouvel ordre. Depuis le printemps arabe, la violence a beaucoup augmenté dans les stades de foot d'Afrique du Nord. Ce carnage n'est pas sans rappeler d'autres drames dans des stades, celui du Ezel en 1985, 39 morts, ou Sheffield en 1989, où 96 supporters avaient perdu la vie.